Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Les tags de tout militant, conséquent, entre Petroville, André Delma, Croix des Bouquets, Léogan Tigouave, Louvidi, Premier ministre, Ariel Henry, Ralph Gonviel là, la justice quand même, et nous dit que nous allons bien présider le pays jusqu'à ce que l'élection fête. Et ça fait la monnaie, élection fête, pressé, nouveau seul président qui c'est Jean-Pierre Moïse, justice présent nous. Personnellement, il a assassiné Wesley Noir, il existait le moins, il existait dans la Guinée, il existait dans tout le monde. Je dis à militants, on dit, président Jovenel, au vivant, à dans les militants. Ça fait là, par vous peuple haïtien qui rime ça fait là. Moi, tu es Gilles Betjoville, berché quand pour la vie, vous dites nous ça. Pas de mots sur la dole, pas de mots sur la dole, femme Jovenel, tu es justice. Depuis Jovenel, pas de justice, pays d'Haïti a pris ancien plan. Je dis à la, nouveau président. Dans le pays qui a assassiné la Cali, surtout c'est des étrangers accompagnés avec des haïtiens qui viennent pour haïtiens sous eux qui posent président à l'Eyotia. Je dis à nous, mais pas président Jovenel, nous défendons, c'est l'État haïtien, c'est la République, nous défendons parce que je dis à qui tous ces partisans qui tous les partisans de Jovenel, depuis ces citoyens pays, conscients, pour le pays aller vers l'avant, force à vous le force à vous le conscience. Je dis à nous mettons sous béton, dans le prochain jour, les amis de notre président, nous ne pouvons pas des mercenaires, des haïtiens, qui ont proposé ensemble pour nous venir assassiner la Cali. Pendant que l'enquête l'a menée, nous commençons à joindre et exécutant, je dis à Fonk Yohane, vers l'hôtel intellectuel, pour nous capables de joindre, et puis Bahé, qui finance le procès, assassinat sacré dans le pays. C'est ça nous l'avons demandé, justice pour le pays, justice pour la République, là, justice pour l'État haïtien. Même en tant que haïtien tête green, en tant que monde qui croit dans le changement, en tant que monde qui croit que le pays n'a pas de être Jean Léa, en tant que monde qui croit que un petit groupe qui prend toute richesse pays, eh bien, il a assassiné Jovenel Moïse. Je dis à nous lever campé. C'est le peuple là qui le veut campé pour demander justice pour Jovenel Moïse. Yes. Quel que soit Jean Lié, faut une justice pour le président Jovenel Moïse. C'est l'unique moyen pour que Bagay Sayo cesse de pays. Ça fait plus de 5 présidents que M. Dem Sayo a assassiné. Je dis à tête grise dans la rue. Je dis à vos orteils dans la rue. Je dis à masse peuple dans la rue pour demander justice pour le président Jovenel Moïse. Et clair, nous ne pouvons pas sortir sur la rue tant que nous ne pouvons pas justice pour le président Jovenel. Moi, c'est que vous avez vu que la commune de Jovenel. Je vais accompagner le peuple là, je dis à vous demander justice pour le président Jovenel Moïse. Le président Jovenel Moïse, il proclame, il déclare comme président. Je vais aimer, Ariel Henry, on va mettre une route. Je vais aimer pour faire l'élection. Je vais aimer pour la candidature. Je vais aimer Ariel Henry. Vous faites continuité pour voir. C'est oligarchie ça. C'est monde qui a sous ces peuples. Qui a sous ces pays. Qui a la justice de travailler. Et pour que la justice. Pour que la justice soit bien. Mais tu restes là. C'est tu restes là. Après tu l'as demandé. Là nous venons assassiner. Et tu restes là. Et faites-moi. Et puis tu aimes. Et laisse-moi dans un mal barbeur. Mais c'est nous. Je suis un Jovenel. Je vais pas pouvoir. Je suis un Jovenel. Nous tournons nous sommes sur la croix d'être. Je suis un Jovenel. Je suis un Jovenel. Je vais pas pouvoir le national. Si ma gueule est faite. Le national a été comme ça, sans président. Si ma guerre est faite, il n'y a pas qu'à mettre des gens comme président. N'a pas que pays jusqu'à nouvel ordre. Moi-même, n'a pas de justice. Je justice. De justice. Si Evasa n'a toujours sous béton, n'a toujours bataille, n'a toujours motivé, n'a toujours mobilisé, pour jouer le pouvoir, pour jouer justice, pour jouer le Jovenel Moïse. C'est délégué que vous avez dit, délégué comme une Bétionville. Je dis à nous dire ça, mais tu restes là. Tu restes là, président, pas laissé nous. C'est le peuple là. Le président Jovenel Moïse ouvre sur nous. Démontrez-nous comment on va aller. Démontrez-nous que nous avons cette bourgeoisie qui n'a pas eu à se voir là. Je ne vais pas être sérieux. Je ne vais pas faire route. Je ne vais pas faire sérieux. C'est voler à voir dans le pays. C'est combien en fait. C'est assassiné par le pays. Si ça c'est pour nous. Le peuple là, nous là, pour une raison qui simple. Nous constatons en 2019,
un juge d'instruction et mettre un mandat d'amener un président qui est en fonction. Là, nous tous connaissons, c'est la seule instance qui a jugé le président, c'est la haute cour de justice. Là, nous constatons tout le bagage, nous voyons que la justice paye nous, pas qu'à le président Jovenel, justice. Nous demandons pour les Nations Unies, la communauté internationale, là, créer un tribunal spécial pour juger les mercenaires avec tout le monde qui finance les mercenaires qui deviennent assassiner le président. Si ça va qu'à fait, nous-mêmes peuple là, le tout le pays a n'a marché pour une jeune justice pour le président Jovenel. Okay? Réserve nationale là, qui gagne en donnant débloquer Haïti, Haïti pour nous tous, plateforme, décision, ASAZ, etc. Maintenant, nous rencontrer avec la presse. Premièrement, pour nous parler avec les gens qui auraient les militants. Peuple haïtien, les gens qui auraient les militants qu'on habite à utiliser dans un moment difficile, soit pour bloquer la rue ou encore pour bouler le caoutchouc. Et je dis à nous constater, depuis ce partage gâteau, ce pouvoir est oublié. Je dis à nous venir dire, nous réseau qui fait nous venir faire conférence là, sur cette masse-là, son façon, nous demander pour nous faire un fonds commun, pour nous mener une bataille, une façon pour nous capable sauver. Et nous-mêmes, nous avons parlé avec M. Ariel Henry, qui montait un gouvernement. Il y a une façon que nous ayons pile doute sur lui. Et nous avons demandé monsieur incessamment pour publier liste non, parti, groupement et regroupement politique, ni acteur politique qui était proposé moun dans le gouvernement Ariel Henry. Nous-mêmes, nous disons après l'assassinat de Jovenel Moïse, nous pas d'accord et peuple là pas jamais accepté pour bagaille là continuer Jean ça te connier pour inégalité sociale là pral faire rage même Jean encore et bien peuple haïtien pral lever camper pour bataille contre tout ça yo yon moun ki besoin pouvoir réel c'est nan élection pour prendre ces peuple là bail c'est ça cause nous dit Ariel Henry mission première li gagnen comme premier ministre de fait c'est à rencontrer tout acteur qui voulait, tout acteur qui dit que c'est démocrate, qui acceptait pour gagner l'élection qui fait dans le pays, pour nous aller vers les élections pour nous gagner le pouvoir réel. Oui, nous gagnons un exécutif à des têtes. Je dis, c'est un premier ministre qui l'a. De fait, faut nous gagnons un président. Cependant, faut qu'il fait non accord. Ce n'est pas même groupe Messier Sayo. Soit dans l'opposition ou encore ça qui est dans le pouvoir, ça qui veut récupérer le pouvoir. C'est eux-mêmes encore qui prennent essayer de récupérer le pouvoir en façon pour le peuple arrêter dans la crasse. C'est ça qui fait que le petit peuple rester vigilant. Et Ariel Henry doit démêler le coup de Jean-Jacques pour bailler la sécurité dans le pays. Pour nous connaître la loi, particulièrement le décret 22 août 1995, son organisation judiciaire là prévoit. Au moins une fois chaque mois, il faut organiser une assemblée générale des juges. L'assemblée générale des juges, c'est pour une audience. D'ailleurs, on peut avoir un représentant du ministère public dans l'assemblée des juges. C'est l'occasion pour les juges pour faire des échanges de juges, ça veut dire partager information et pour planifier l'activité des tribunaux. Nous connaissons le Jean-Décret 22 août 1995, l'année judiciaire a commencé le 1er lundi d'octobre. Et l'a terminé dernier vendredi du mois de juillet. Malheureusement, nous n'avons pas faire audience sur le souhaité pendant le judiciaire. Ça. Nous connaissons qu'on a pile en pile problème, des grèves à répétition. Bon côté, il même une déclaration, il y a une zone rouge qui vient faire pas de gain activité. C'est récemment là nous avons recommencé avec l'audience. L'année judiciaire a fini dans la condition qu'on est là. Nous sommes obligés de fixer une assemblée des juges. On est capable de planifier l'activité pour vacances. Ça y est, le roulement nous a fait pour vacances. Nous connaissons l'article 64 décret 22 août la jour, même là nous avons vacances judiciaires, ça va veut dire que toute activité est au point mort dans le niveau tribunal. Il prévoit nous capables de faire des audiences correctionnelles. Bon, nous-mêmes, nous toujours dit nous faisons mieux que audiences correctionnelles, parce que même là nous avons période de vacances judiciaires, nous faisons des audiences correctionnelles, mais nous faisons des audiences criminelles sous assistance du jury. Décret à parler des affaires urgentes, il faut que vous continuez à attendre. Nous avons référé cette urgence. Audience référée, nous sommes faire roulement pour vous. Il parle des affaires du loyer, il faut que vous continuez à attendre, des affaires commerciales. Objectif, convocation de faire la Assemblée générale des juges, c'était
parler de l'activité année judiciaire là, que nous avons pratiquement perdu. Nous avons tout fixé roulement pour vacances judiciaires. À partir de lundi, même roulement nous avons gagné dans la chambre référée, nous avons commencé avec eux. Ça veut dire que juge qui était conseillé dans la référée, dans faire siéger. Combien de nan juges ça pas dans le pays à l'étranger, de seulement remplacé par d'autres juges. Nous fixons des audiences correctionnelles à partir de lundi, nous avons deux chambres correctionnelles qui ont fonctionné. Nous avons gagné une chambre qui a fonctionné pour les criminels. Ça veut dire bien trois chambres pour les affaires pénales. Nous fixons des audiences de loyer, affaires de loyer pour nous donner jeudi, vendredi. Nous fixons des audiences commerciales tout le temps pendant les vacances judiciaires. On est capable de mettre vite dans le tribunal. En gros, c'est ça que nous avons discuté dans l'Assemblée des juges. Immédiatement, l'année judiciaire a commencé le 1er lundi d'octobre. Nous allons fixer l'autre Assemblée générale des juges. On est capable de faire roulement pour l'année judiciaire 2021-2022. Tant qu'on nous a toujours dit, nous avons posé problème de localisation du tribunal. Nous avons dit, si jamais le gouvernement va avoir une sécurité, ça veut dire l'autorité qui est là pour responsable de question de sécurité publique, pour délocaliser le tribunal. Nous avons mis l'accent sur tout effort que nous-mêmes doyens, bâtonniers, nous avons fait avec le ministre de la Justice, là, fait des réunions. On devrait voir comment ils étaient capables de délocaliser le tribunal. Si on ne peut pas délocaliser, pour renforcer la sécurité. Mais et même Jean Jujo dit tout, si délocalisation n'est pas faite, mais la justice comme son service public, minimum de services au cabal là, depuis condition réunie, il faut que baille. C'est ça que fait ouais, Jujo accepter dans le moment ça pour reprendre l'activité aux gens de Confel, jusqu'à ce que tu as un problème qui fait au Bacafel. Question d'intérêt général, nous parlons de tout et de rien. Nous parlons des dossiers pour nous distribuer, nous manions dossier et assassinat qui fait sous président Jovenel Moïse. Là. Hier après-midi, parquet et acheminé dossier ici à dans le cabinet d'instruction avec réquisitoire d'informer. On est passé en revue ensemble des juges qui gagnent. On a regardé en fonction des expériences maintenant, spécialité libre. Pour nous, qui est-ce dans le juge? Mais nous parlons avec plusieurs dans le juge d'instruction. Je pense qu'après-midi ou demain matin, non, le juge Gabriel l'a connu. Je suis capable de connaître qui juge qui parle à partir de la semaine prochaine, responsable de l'enquête. Je ne peux pas dire que le juge refuse. Le doyen a élaboré le dossier. Le juge n'a pas gagné pour demander juge la ville sur le dossier. On prête serment pour observer la constitution, pour appliquer un exercice de fonction. Loi en vigueur et pour comportement digne et loyal magistrat. Et puis, premier bagage qui a de caractériser un magistrat, c'est courage. Et là, juge, il faut qu'on prenne une décision. Nous ne pouvons pas contacter bien juge pour nous parler avec lui, pour nous dire qu'il n'a pas eu tel dossier, mais il n'a pas eu tel dossier. Mais, bon dossier capable de particularité là-dedans, nous pouvons demander des moyens spéciaux pour juge. C'est ça que nous avons fait depuis hier. Nous avons fait réunion avec plusieurs autorités pour nous demander premier bagage. Nous connaissons par la justice là, son espace, nous ne pouvons pas dire sécurisé à 100%. Premier bagage, nous demander moyens pour juger la sécuriser dossier, les pièces à conviction, coduler tout ça. Nous demandons des moyens pour juger au déplacer, parce qu'on doit se concerner, nous connaissons des moyens spéciaux. Nous demandons tout, nous, agents de sécurité qui peuvent affecter la sécurité personnelle. Là. C'est des moyens nous demandons au bureau au niveau de l'État avec l'autorité pour nous juger. Là, j'avais dit avant même. Nous disons, mais qui juge que nous avons un dossier, il faut qu'au moins moyen ça soit déjà là, et puis pour nous mettre à disposition du là pour jouer là-bas dans la rue, pour compter côté de votre bagage capable de la population n'a pas gagné information, il n'y a pas connaître qui ça mérite à régler. Décision nous pour c'est une décision justice. Et côté il y a des récalcitrants, des gens qui doivent mériter 20 ans, 25 ans, 11 ans, 12 ans. Qui va jamais payer CFPB. Et avant nous d'arriver dans la phase et seule, nous dévoyons des mises en demeure et par Mounio. Et premier démarche, c'est convoquer eux. Il y a des gens convoqués qui viennent, il y a des gens qui va venir. Parce que il y a des gens qui ne sont pas à Haïti, c'est à l'étranger, mais il y a des familles qui sont responsables là, mais leur convoquer eux, ça n'a pas intéressé eux. Ils ne sont pas venus, les nouveaux mises en demeure, ou vont premier, ou vont deuxième, ou vont troisième, ils ne sont pas jamais venus, qu'on est là, obligés de passer dans la phase de l'EA pour être capable de joindre les têtes là pour venir. Parce que nous-mêmes, nous avons des exigences et pour nous.
travail, faut que nous payons population en service, faut qu'on employe nous touché et nous obligés de passer dans la phase de l'air. Combien de cas nous arrivons à poser sur les sous? En total, nous avons 24 pour nous poser sur les sous là. Hier, nous posons sur les sous et 7, et puis matin, on a fait reste. Combien de cas que nous identifions qui n'ont pas payé pour eux? Non, 28 000 cas qui ont volé dans l'Amérique, parce que 10% cas qui payent CSTB. Moi-même, je pense que automatiquement, les gens qui ont mis en demeure, qui vont arriver dans la phase de l'air, ils ont commencé avec ce l'air, ils ont même fini. Parce qu'on est haïtien, on a apparemment, c'est symptômes, ils ont tout autant, ils n'ont pas quoi. Alors, toujours penser que l'État, c'est du travail maillé, ils n'ont pas fait ça bruit. On va occuper eux. Mais nous obligés de passer dans la phase en façon pour que nous puissions parce que c'est un résultat. Magistrat, comment ville y est pour le moment? Pour le moment, il est calme. Tout le monde a passé à l'occupation. Par exemple, lorsque on commune dans l'Amérique, dans le Cap-Haïtien, pour commune, pas qu'à faire et nous rentrer dans cette cité-là, nous faisons des ruelles, nous bétonner, des ruelles, asphalter des ruelles, nous ou bien nous mettre l'électricité. Pour mairie, il n'y a pas qu'à faire ça. Pendant ce temps, on va regarder la quantité et bâti qui gagne dans la commune. Ça veut dire, nous faisons. C'est pas méchant, c'est la personne, mais il faut que nous payions nous-mêmes pour nous gagner l'attitude, pour nous faire ça, pour nous faire. Par exemple, pour nous nettoyer, mais il n'y a pas gagné en gelo. C'est loué nous, et nous gagnons des têtes pour nous-mêmes, pour nous payer. Pour nous jouer un carburant, nous fournissons un bon carburant. Pour nous payer, pour nous acheter, ce n'est pas de l'eau qui est dans la machine. Employer nous, il faut tout ça. Lorsque on mérite, on gagne 7 mois de employer. Pendant ce temps, mais l'école ne va pas ouvrir. C'est maman petite, ça va petite. Il faut toucher. Et ce n'est pas propre, nous avons touché par rapport à chercher la vie. Mais si tu sais, est-ce que nous prenons le conseil ensemble avec DGI? Non seulement avec DGI, mais mairie a gagné droit pour exiger et continuer à blâmer. Nous-mêmes, gars qui c'est groupe qui a appuyé et rapatrié avec réfugiés, nous travaillons sur frontières, particulièrement dans faire promotion pour et respect avec respect droit migrants. Et généralement, chaque mois, nous publions un rapport qui dit mais qui gère la situation migrant sur frontière, mais combien de monde qui est rapatrié, mais combien de monde qui retourne sur frontière. Et pour la période ça, nous avons fait un rapport, nous avons dressé un rapport qui est basé sur le mois, c'est le mois juin avec le mois juillet. Et puis, pour le mois juin avec le mois juillet, nous avons un total de 145 400 personnes. 145 400 personnes, c'est les gens qui retournaient de façon volontaire sortir en République dominicaine. Et puis, il y a un monde tout que la République dominicaine rapatrié pour voyer venir en Haïti sous zone frontière. Pour quantité rapatriée qui gagne, ça veut dire monde que dominicain ont voyé tourner sous frontière, nous gagnons 2563. Dans 2563 rapatriés, ça y est, gagnent 2263 garçons, 261 femmes, 3 petites filles avec 36 petits garçons. C'est quantité de monde qui est rapatrié, ça veut dire c'est monde que la République dominicaine prend et puis vous retournez en Haïti. Mais tout le monde, il y a haïtien qui vivent en République dominicaine ou bien qui voyagé à la République dominicaine, soit pour y aller travailler ou pour faire d'autres activités, et puis vous n'avez pas de possibilité de retourner parce que vous n'avez pas d'opportunité de travail et puis vous n'avez pas de problème, vous choisissez de retourner la carrière. Nous savons que nous avons des gens qui font retour spontané. Et nous avons 142 837 retours spontanés en tout. Et puis, quand parmi eux, nous avons 60 059 garçons, 74 244 femmes, 4151 petites filles et puis 4383 petits garçons. C'est quantité de gens qui retournaient volontairement en Haïti après qu'ils aient finalé en République dominicaine. Pour total quantité de gens, j'aime te dire tout à l'heure, c'est 145 400 personnes en tout que nous enregistrons qui sortent en République dominicaine, qui arrivent en Haïti. Là-dedans, il y a des rapatriés et puis il y a des gens qui retournent la caillou de façon volontaire. Et nous-mêmes, dans le gars, ce qui est important pour nous, c'est demander l'État ici, beaucoup de parler pour capable de mettre bon gens en structure, pour capable dans la planification qu'il a fait, pour capable de prendre bon gens en mesure pour permettre que le peuple, la population, groupe qui plus vulnérable, monde qui plus susceptible de quitter Haïti pour aller chercher la vie meilleure de l'autre côté,
permettre de gagner des programmes, gagner des politiques publiques qui prennent en compte la réalité ou bien situation moun sa yo pour être capable de retirer dans la situation ça pour suspendre la traversée dans l'autre pays, à la République dominicaine, à la humiliation, à subir toutes sortes de discriminations. Parce qu'il y a un pile haïtien qui est Haïti à la République dominicaine, c'est dans le secteur agriculture, il travaille la terre, il travaille dans la construction. Mais bon, ici, tout en Haïti, nous avons terre pour nous travailler, nous avons une possibilité pour nous travailler en Haïti. Mais c'est seulement l'État qui est capable de faire une façon pour créer conditions pour gagner plus d'investissements qui fait dans le pays, hein, pour nous capable de travailler, créer conditions pour nous capable de joindre une possibilité pour travailler la terre. Et même j'ai travaillé en République dominicaine. Comme ça, il y a gagné moins de monde qui est déplacé à la République dominicaine ou bien dans l'autre pays tout, pour être capable de travailler. Et comme ça, le pays a lui-même est capable de faire un pas. Comme ça, tout petit pays a suspendu passé misère, a suspendu subi violence, subi discrimination dans l'autre nation. Parce que dans pile côté dans Caraïbes là avec Amérique latine, dans pile haïtien, nous traversons plusieurs frontières, sortis depuis l'Amérique latine, depuis l'Amérique du Sud, puis on va traverser dans l'Amérique centrale, puis arriver dans l'Amérique du Nord, puis aller chercher et possibilité pour entrer aux États-Unis. Dans le même sens, ça a tout gagné un paquet haïtien que nous avons profité à attirer attention. Et autorité haïtienne sur ça, en pile haïtien, plusieurs milliers haïtiens qui trouvent bloqués actuellement. Et la frontière américano-mexicaine, côté que nous ne pouvons pas traverser. Nous vivons dans la frontière avec l'intention de traverser aux États-Unis, mais nous ne pouvons pas traverser. Ça veut dire qu'il y a un pile qui trouve dans le camp, un pile qui trouve l'abdominal à la rue, et un pile qui trouve dans le centre de, pour réfugiés, côté que nous avons une situation qui est vraiment déplorable, côté condition de la vie, nous avons vraiment laissé à désirer, côté que nous ne sommes pas capables de vivre dignement. Et nous-mêmes nous demandons l'État haïtien, que ce soit l'autorité haïtienne qui trouve dans le pays Mexique, pour être capable d'accompagner les gens, accompagner les haïtiens, ça trouver l'autre bois dans une situation difficile, que ce soit parce qu'ils n'ont pas de papier, que ce soit pas de possibilité pour le travail, ils n'ont pas de quotidien, ils sont en fait liés jusqu'à présent. Cérémonie remise 10 rapports enquête sa yo by la justice ak 70 requêtes qui adressées à commissaire gouvernement PIA entraînant 4 travail unité lutte contre corruption pour assainir administration publique là n'entraîne devant la justice moun ki impliqué dans zak corruption dans PIA d'après directeur général ULCCA. Historique, il est dit les révolutionnaires, ces trois mots qualifient aujourd'hui l'ampleur de cet événement unique dans l'histoire de l'unité de lutte contre la corruption et dans celle de la lutte contre la corruption en Haïti. 10 rapports d'enquête finalisés en ma première année de direction et transmis aujourd'hui à la justice pour les suites appropriées. 70 requêtes adressées au commissaire du gouvernement demandant la poursuite de près de 63 maires du département de l'Ouest et des NIP n'ayant pas accompli ni à l'entrée ni à la sortie
leur déclaration de patrimoine malgré les mises en demeure de l'institution. Dans un élan de transparence et d'implication de la société civile, de la population haïtienne tout entière, dans cette croisade contre la corruption, j'ai pris, à ma qualité de directeur général de l'ULCC, le principal gendarme anticorruption de la République, la décision de rendre public et accessible à tous et à toutes un résumé exécutif de tous les rapports d'enquête que nous remettons en ce jour aux autorités de poursuite. Ministre Justice et Sécurité publique, Rockefeller Vincent, félicité ULCC pour réalisation enquête saillot sur ensemble dossier corruption dans le pays. La justice doit se mettre debout pour vaincre ses démons et ses ennemis de la nation. Le pays entier et le peuple dans son ensemble convergent leur regard vers la justice haïtienne. Soyez à la hauteur de la dignité entourant votre noble et honorable fonction. Cher parquetier, dès à présent, c'est toute la société qui a déjà les yeux rivés sur vous, sur les suivis que vous aurez à faire de ces rapports dans lesquels des actuels et ex-hauts fonctionnaires et des comptables de deniers publics, entre autres, sont épinglés. Ce n'est pas redondant non plus de rappeler à votre attention la lourde responsabilité qui vous incombe, celle de poursuivre, quel qu'il soit, auteur, co-auteur et complice des infractions de corruption pour qu'il soit jugé et puni conformément à la loi. Responsable USCC au fait qu'on ait cérémonie remise rapport sa yo, c'est ouverti en série yo prévoit réaliser. Tout de suite après avocat USCC a été fini avec opposition, doyen tribunal première instance Port-au-Prince, maître Bernard Saint-Ville, décidé à l'école dans dossier qui impliquait citoyen Reginald Boulos mercredi 4 août 2021. Ces déclarations, yon avocat businessman n'a fait. Maître Samuel Madistin, qui te répond présent dans l'invitation tribunal, la fait qu'on est pour qu'on y ait un dossier régional Boulos là après été tant distribué par l'autre juge en Suisse. Après lecture de l'acte d'opposition par l'avocat de l'ULCC, le doyen d'office a décidé, pour des raisons de convenance personnelle, de se déporter de la connaissance de cette affaire. Le déport est personnel pour un magistrat. Le magistrat ne se sent pas à l'aise pour quelque raison que ce soit, pour le temps dont l'affaire a déporté. Donc la loi prévoit que l'affaire ça va le redistribuer devant l'autre juge pour affaire attendre. Donc l'affaire pour attendre, c'est ça qui est là. Donc il va le gagner pour fixer, pour choisir, désigner pardon, un autre magistrat du tribunal pour entendre l'affaire. Le déport est personnel. C'est-à-dire le juge qui entend une affaire, qui entend mon abdi des paroles, qui est capable d'attaquer la moralité, la personnalité, il a décidé de ne pas entendre l'affaire. Évidemment, le juge doit être courageux. Ce n'est pas parce que mon abdi fait scandale dans la radio, sur les réseaux sociaux, pour un juge refuser de juger. C'est-à-dire que si chaque juge ou le dévol lui fait ça, vous comprenez? Donc finalement, c'est comme un cas de déni de justice. C'est comme si chaque juge ouvre devant le bureau, si son stratégie, il y a un jour il fait le déporté, il y a un jour il fait le déporté, finalement pas un juge pour t'en c'est qu'il y a un déni de justice, ça veut dire que vous êtes un juge pour juger. De toute manière, ça ne me dérange pas, d'autant que je suis bénéficiaire d'une décision exécutoire sur minute qui a déjà été exécutée. L'opposition, tant qu'elle n'aura pas été déclarée régulière, ne peut pas remettre en question cette décision. Donc je suis tranquille. Durant les 2 à 3 derniers mois, doyen, c'est seul juge ici à Prince-Siège. Aucun autre magistrat ne va même prendre un risque qui vient là. Parce que son bail qui est dangereuse, zone non dangereuse. Donc doyen, son magistrat responsable, il prend responsabilité. Moi-même comme avocat, je me fais mal pour lui. Parce que chaque jour, il dit ça sa fait référer pour la prendre décision. Mais malheureusement, qu'elle rend une décision ça, qui fait l'objet de tant de critiques gratuites, inutiles, et qui fait le déporter pour affaire pas attendre. Par contre, si nous avons l'autre juge pour tant d'affaires, maintenant qu'on me dit au moins tranquille, parce que j'ai bénéficié d'une décision exécutoire sur minute qui a déjà été exécuté. Donc, l'aime que non, juge à faire passer.
pas gagné raté plaque immatriculation dans direction générale impôt d'après sa directeur communication DGIA fait connait. Le gain sur le bendi pour éviter rater ça, responsable gain en fait commande un nouveau plaque. Nouvelle plaque sa yo ta doré disponible pour pita dans mois octobre cap venir là d'après précision le gain sur le bend. Ensuite. La direction générale avait placé une nouvelle commande de plaque. OK. Au moment où je parle, la réception et l'inventaire de cette nouvelle commande de plaque est en cours. Et la direction générale est en train de prendre les dispositions nécessaires du point de vue administratif pour que d'ici à octobre, les opérations de distribution soient annoncées à tous les contribuables de manière à mettre à leur disposition ces plaques. Mais entre-temps, si gagner de chauffeurs ou propriétaires de véhicules qui besoin de plaques, eh bien, en fait, l'administration en fait, a continué à servir dans le cadre de disposition spéciale qui était adoptée l'année dernière. Ancien sénateur Yuri La Tortue dénoncé manœuvre l'édicap fait pour impliquer le dossier assassinat président Jovenel Moïse. L'idée Haïti en action a encouragé l'autorité à prendre un bon jambézi pour les fait sous dossier. Le greffier Valentin, le greffier de Pétionville, qui dévoile par le avenir, l'homme de ouais, mon tweet qui était sorti, qui te dit, il demandé, mettez greffier à, et demandé greffier à, mettez non. Yuri La Tortue à Original Boulos, dans la question du dossier assassinat président. Moi, j'étais choqué quand même. Parce que moi, je pense que un dossier comme ça, aussi important, un dossier qui a lieu international, ou quasi son crime transnational, puisque il commence à préparer dans la Colombie, il y a une opération qui a fait, il y a une réunion aux États-Unis, c'est un domaine, et puis on vient de un président. L'on est à essayer de virer le dossier ça sur l'autre monde. Ceci est extrêmement grave. Ça veut dire que les gens qui sont président sont tellement forts, sont tellement puissants. Ils ont fait acte et ils ont essayé de virer sous le monde. Ça veut dire que les gens qui ont fait enquête, ils doivent connaître ça à faire. Dans les erreurs qui étaient déjà faites dans le dossier, ça. Depuis l'heure, ils ont sous le crime. Là. Tant que vous prenez le commissaire gouvernement, juge de périver, plusieurs personnes qui sont entrées dans le dossier, là. Plusieurs informations qui sont contradictoires. Jusqu'à présent, par un juge d'instruction, il est important pour nous corriger tout ça. Et ça, on ne peut pas le faire. Jeune vrai Mounio, bon, il faut tout le monde ici mettre pour le jeune vrai Mounio qui tue le jeune Jovenel. Parce que là, nous remarquons, les gens ont essayé de détourner. Et les gens ont essayé de détourner, le plus souvent, c'est le monde qui fait le crime. Je dis à me féliciter, greffier ça, Valentin, qui lui-même choisit pas entrer dans ça. Et on a dit greffier, tout téléphone qui t'avait écrit l'après, qui te dit à balle dans la tête là, eh bien, c'est dossier ça pour le remettre la justice, pour le porter plein, qui vous fait que vous jouez de Mounsa. Parce qu'à partir de Mounsa, il y a bandé tout ça qui est derrière la tête là pour le devenir greffier ça. C'est ça que je dis à qui est extrêmement important. Je dis greffier à KBFM, je bandé l'État, protéger greffier ça. Nous avons habitué à bataille, nous toujours bataille. Mais protéger greffier. Parce que c'est des gens pour ça que nous besoin dans ce système là. Des gens honnêtes qui ont fait travail, ça va obliger de vendre l'homme. Nous-mêmes, bon côté, nous avons continué la bataille pour non seulement le président Jovenel nous une justice, mais nous avons vraiment mieux. La pire déclaration qu'a fait, nous avons essayé de désorienter la question. Parce que je dis à mon président tombé, si on va une justice, n'importe qui est après, ta victime. Il est important pour nous joindre vraiment qui fait ça. Co-directeur défenseur plus la Antonal Mortimer souligne nécessité pour gagner un accord politique. Responsable organisation droit moun nan souhaité gagner bon mezi qui prend pour résoudre problème insécurité dans le pays. En suivant bout d'intervention, le micro Lionel Jean-Louis. Je dis en bon priorité. Priorité c'est sécurité moun dans le pays. Avant même moun goumé pour pouvoir pour garder qui est capable placer Jovenel qui est capable. Et comme on va faire l'élection, nous pensons qu'il y a une nécessité pour sécuriser le monde. D'ailleurs, dans le commencement de la semaine, que des quartiers habitaient au lever-joint, des cadavres.
dans Matissan, jusqu'où il y a là, il y a des gens qui ont observé, il y a des cadavres qui attendent pendant plusieurs jours, et des fois c'est chien qui a mangé cadavre. Donc situation ça n'a pas arrêté encore. Donc je dis à nous penser qu'on a nécessité pour qu'on marche contre, pour qu'on consensus ce qui joigne autour de sécurité moun dans le pays. D'ailleurs, moun kap goumen pour pouvoir, il y a bien pouvoir pour ka itil peuple là. Mais l'on quitte bandit fin de peuple là, ou pas ka itil yo. Mais c'est pas seulement moun qui dans le peuple là, moun qui dans la classe moyenne. Des hommes d'affaires tout, yo pas en sécurité. D'ailleurs, crime yo touché tout le monde. Moun qui dans l'état tout, yo bien famille yo. Il y a des fois qui victime de sécurité. Deuxième élément qui dans notre plan, nous te vle di moun protagoniste yo, acteur yo. Nous te vle di aujourd'hui, hein, l'État li presque effondré avec le Parlement haïtien qui pas fonctionné depuis le 13 janvier 2020. Ouais, ça veut dire plus passé un an, 6 mois, pas de Parlement opérationnel. Parlement, 10 sénateurs qui l'ont parlé chaque lègue ont événement politique, dont 7 février et 7 juillet. Donc, comme pas de Parlement, le pouvoir législatif n'existait plus, n'est pas opérationnel. Et deuxièmement, les pouvoirs judiciaires qui sont représentés par les conseils supérieurs du pouvoir judiciaire, les cadiques depuis le 2 juillet. Et je dis là, tout dossier, notamment des mounes, fait recours en cassation, réquisé juge pour la cour de cassation, décider sur ça. Ce dossier, vous voyez, en calendrier grec. Ça veut dire pourquoi décider sur eux. En plus, à partir de la semaine dernière, nous avons bah, les vacances judiciaires. Conseil d'affaires, tribunal n'a pas tendu, sauf les assises criminelles. Sans avec assistant de jury qui a fait. Donc ça veut dire pour moi-même, pour voir l'État au plat à terre. En plus, dans l'exécutif là, qui était loué gain de tête, c'est pour la première fois dans une situation côté chef exécutif là, pas présent. Ça veut dire nous pas de président de la République. Parce que nous avons un système présidentiel, nous avons un système présidentiel et parlementaire, nous pas un système premier ministre et parlementaire. Je dis là, il y a une situation anormale. Il ne faut nous pas faire un coup, Haïti est un pays normal. Je dis Haïti pas normal, parce que pouvoir public, yo, pouvoir l'État, yo, regardez l'article 59, 60, 61 de la Constitution, il n'a pas existé, ou bien il n'a pas fonctionné. En plus, pouvoir local, yo, tout, depuis juin, juillet 2020, mandat tout Kazakh fini, mandat tout magistrat fini, mandat tout Azek fini, mandat tout délégué ville fini. Donc nous sommes pays qui a fonctionné avec des dirigeants illégitimes et même illégaux. Parce que pas un cadre normatif illégal pour y mettre des dirigeants qui l'ont. Donc qui fait, moi, nous disons troisième bagarre dans le texte, nous avons nécessité pour jouer un accord politique pour nous venir dans la normalité constitutionnelle pour nous résoudre la crise institutionnelle nous là et pour nous capables, pour l'autorité, capables de satisfaire des besoins fondamentaux. Que les peuples haïtiens gagnent comme des droits, tant que droit à l'éducation, droit au logement, droit à la nourriture, droit à la protection. Plaisir dans le groupe qui pote dans le secteur démocratique là, Chita parlé avec une personnalité dans la communauté internationale là, et puis Premier ministre Ariel Henry sous crise politique là. Porte-parole secteur démocratique là, M. André Michel, plaidé pour un accord politique à tout secteur. M. André Michel insistait pour gagner un conseil électoral inclusif. On suit un bout dans la déclaration. Tout autant, pas gagner un consensus politique qui baille un accord politique, nous ne pas reconnaître aucun gouvernement, nous ne pas reconnaître aucun premier ministre, aucun ministre, nous ne pas reconnaître personne. Nous disons communauté internationale là ça, et nous disons M. Ariel Henry ça, nous voulons un exécutif bicéphale, c'est-à-dire fort bon président, fort bon premier ministre, et c'est conforme à la constitution, c'est conforme aux lois de la république. Et dans l'accord politique là, fort bon conseil électoral crédible, un conseil électoral honnête, qui fait avec participation un ensemble de secteurs clés dans le pays. Commission cap cherché une solution haïtienne dans la crise pays bail jusqu'à 15 d'août 2021 pour proposer une solution. Commission déjà chita parlé avec un pile secteur dans la vie nationale pour capable joindre une solution dans le problème pays d'Haïti à connaître depuis quelques temps. Plus passé 5 mois depuis commission à travail, Jacques Ted syndic avec Magali Georges qui c'est membre commission bail garantie après de joindre un accord en tête ensemble pour résoudre crise politique au pays. Jacques Ted syndic avec Magali Georges a répondre question Jean-Serge Niolin d'or dans l'émission mise au point sous TNH en suivant.
projet nous c'est de faire le week-end qui vient là. Mais le contact que nous avons fait, nous rencontrons des secteurs qui sont intelligents, très réticents, ou bien des secteurs qui sont tellement sollicités par plusieurs courants politiques, y compris par l'international, que pas qu'on connaît dans quelle orientation pour y aller. Côté pour mettre tout poids. Je pense que nous sommes en train de développer avec eux une relation de confiance, une relation de compréhension et de l'urgence pour eux et de l'importance pour eux que eux viennent défendre l'intérêt dans le cadre de défendre son intérêt global. Et ça a marché. Ça a marché. Très honnêtement, ça a marché. Il y a des avis juridiques que nous prenons en dehors de ça, nous déjà. Parce que je dis à l'éclair, il est évident, tout le monde confirme ça. Pas gain aucune provision la constitution qu'il a qui permet que joindre un gouvernement monté là. Ça va exister. C'est seul un accord politique global qui permet qu'on installe un gouvernement qui gagne la légitimité et la crédibilité d'avancer sur ce que vous faites dans le pays. Donc nous là, et nous pensons que, arrivé à cette date-là, ou peut-être un jour ou deux jours avant, ça dépend, mais on aura conclu cet accord. Mais l'autre des mois, c'est qu'entre-temps, nous avons rencontré tout le secteur. Et évaluer avec eux toutes propositions et contre-propositions nous venons sur ça et public déjà pour nous en consensus améliorer les définir ce qui est pour définir et puis nous venons et normalement d'après nous-mêmes parce que nous avons des forces significatives. Hein. Alors c'est une proposition à faire de nous parler. Non, non, nous en construction. Nous en construction. En construction ensemble. Parce que si tout le monde s'est mis ensemble, il a proposé à qui? Nous avons besoin qui s'aime. Il y a des tables sectorielles qui font au niveau de 10 départements du pays. Pourquoi ça qu'il y a des tables sectorielles? Les tables sectorielles qui ont un département, ça qu'il y a des représentants des principaux partis politiques et représentants de la société civile, plusieurs groupes de société civile qui ont fait des tables de concertation. Mais non, une fois qu'ils sont sortis, que le grand a exprimé qu'ils existaient, nous discutons avec eux. Et nous discutons avec eux ce qu'ils ont dit de manière large. Donc c'est une forme d'appropriation, c'est dire, mais lui-même, qui ça possible pour changer, qui sont d'accord là-dedans, mais qui présent soit bien là-dedans, et puis il n'y a pas approprié. C'est cette appropriation que nous avons assuré, que dans le moment où nous avons parlé là, c'est ça qu'on a fait. Et peut-être que chaque temps, quand on a une opportunité d'expliquer à téléspectateurs, téléspectateurs, télévision nationale, que mes démarches qu'on a fait, et ça qui caractère citoyen, c'est fondamental. Et Magali dit là plusieurs fois, c'est des citoyens qui, d'un pays, qui dit que politique, citoyen fait ça. Citoyen pas chita, tant à regarder sa politicien a fait et puis qu'a baillé comme résultat. Quel qu'en soit ici, pas d'échec. Parce que nous tellement apprendre, nous tellement qu'à construire sur ça. Donc de toute façon, pas qu'à échec, c'est ça qui fait. Donc décantation, pour qu'on qui esquive le pays à sortir dans la crise, ou bien qui esquive ces sous-crises-là, pour aller. Il y a des gens qui ont parlé là pour l'élection, parce qu'il y a un premier ministre à bord. Il y a bagaille. Et puis, on parle de l'élection, on parle de faire même gens là, on parle d'essayer, puis on parle de découper les votes pour eux, on parle de cette tabulation pour éliminer tout candidat fort. Hein? Pour dire, on fait bourrage d'une, même si dans le bon moment là, il fait toute voix. Et puis, on dit bourrage d'une, il était gagné. Alors que l'élève dans le quartier, c'est normal, tout le monde a à voter. Il y a éliminé le prêt pour ça. Parce que ce système-là, pour me reprendre gentiment, qui a proposé tête là. Ou après les discours ont changé totalement. Question rupture, et coupé fâché. Moi, ça, je ne suis pas à la mode. Mais citoyens attachés à elle. Vous comprenez? Donc, l'important, dès que tu as ça pour faire, donc ça veut dire confiance dans les pas parce que nous ne sommes pas réalistes. Nous sommes très réalistes. Nous sommes en face qui ça nous y est. Mais la paix, maintenant, nous découvrons qui est-ce qui veut le pays à marcher, qu'est-ce qui va le marcher. Et ça est important. Et, le syndicaliste québécois a dit je crois la force du nombre. Le nombre est important pour nous. Quand c'est des gens qui a back up ça, important pour nous, même si nous n'avons pas de ZAM, nous n'avons pas tout levier international, mais tout international là, tout. Il y a des mouvements là, Kali, tout, qui a stoppé. Parce qu'on a une société civile là, pas au pouvoir, mais dans le pays organisé, la société civile là, son pouvoir lié. Si tu as parlé en tout acte, c'est le seul moyen pour attaquer et puis résoudre toute qualité problème pays à connaît. C'est déclaration ministre Kilti à communication. Jean-Emmanuel Jacquet félicite tout acteur dans la vie nationale là, à cause de l'idée, il a montré volonté pour continuer le processus dialogue là. Ministre Jacquet, by assurance, gouvernement a travaillé pour porter réponse à ce problème et spécialement phénomène insécurité. Jean-Emmanuel Jacquet a participé à l'émission Mise au point avec Jean-Serge Nolindor en suivant un bout dans la déclaration. Je dis à nous, en société extrêmement divisé, côté que
et tel groupe monde fait partie de tel groupement politique, il pas parler avec tel groupe monde qui fait partie de tel autre groupement politique, pour qui ça? Et parce que on manque de conscience que pays ça c'est pour nous lié, c'est vrai que nous nous gagne origine dans le temps, mais je dis à n'a pas partagé en tête côté que nous tous besoin chita ensemble pour nous garder ensemble comment nous devons mener pays, parce que sous bien garder tout problème occulté sécurité occulté et problèmes sociaux, problèmes de santé, éducation, etc., tout problème ça chita donc grande bagaille, c'est chita nous pas chita ensemble pour nous garder ensemble qui ça bon pour nous, parce que chaque monde pense que c'est une science là. Et tel camp parce que c'est les gens science là, c'est les caf changer pays ça. Gon l'autre monde qui dit lui même c'est les gens science là. Donc même parce que c'est mettre toute science ensemble, parce que c'est pour problème de compétences qui gagne. Président Jovenel t'a commencé à faire déjà, continuer à rencontrer avec ensemble de acteurs politiques pour permettre que nous joignent et on point d'entente, on terrain d'entente qui pour permettre que nous retourner dans la vie normale. Je dis à nous nos pays côté que il y a des zones monde pas qu'à fréquenter. Et c'est une nécessité, et le Premier ministre a signé déjà la question de la sécurité. D'ailleurs, nous, nos époques, et nous parlons prochain pour l'élection, ça veut dire qu'on a besoin de résoudre le problème de sécurité, problème de libre circulation qui gagne. Je dis à Moun, pas qu'à ce cafou, et Vini et Port-au-Prince. Donc, ça, c'est une priorité du nouveau gouvernement, ça. Créer un climat serein, côté que Moun, ils ont senti, ils ont confiance. Et ils ont retourné faire l'État à confiance. Et nous applaudissons des. Et secteur qui, je dis, a une nécessité pour Yoshita, parce que des secteurs qui étaient plus ou moins réticents, je dis, ont d'accord pour Fonoshita. Et dans la société, pour lui faire passer science par là tout, pour nous garder ensemble. Moi, je pense que le dialogue est nécessaire. Et je ne peux pas même dire s'il va faire. Je pense que c'est un bagage qui est fondamental qui l'a pour le faire. Pour PPT, 7 bis, compagnie transport, le transporteur boulé, avec plaisir, l'autre machine privée, dans le moment où on dit fait éclater, dans un garage, dans la ville Gonaïve, dans la nuit lundi dès pour l'ouvrir 3 août 2021. Enquête à mener pour qu'on ait origine dans Difisa. C'est ça correspondant nous dans Cité l'Indépendance l'en fait qu'on est. En suivant, Exalus Mergena pour détail. Pour Difé, origine inconnue, ravagée pour Pipiti, cet autobus compagnie transport moderne les transportait pendant la nuit lundi 2 pour l'ouvrir mardi 3 août 2021. Incendie ça qui déclarait vers 11h comme ça, la costaud gagnait machine privée qui passait en bas flamme. Autobus avec machine privée a été stationné dans le garage compagnien qui logeait dans le local Jamivric qui soit avenue des dates. En absence de service pompier qui pas gagné dans la ville là, c'est plusieurs membres dans la population, précisément quelques jeunes garçons qui, malgré manœuvre qu'ils ont fait pour éteindre le feu ça avec beaucoup de l'eau, plusieurs compagnies qui vendent de l'eau traitée, qui étaient portés secouyo, te paraître impuissants devant le feu ça qui malheureusement brûlé machinio dans le garage là. Faut que nous dit incendie ça a été créé gros tension dans la zone là, si tout l'est moteur machinio tapé éclaté sous pression flamme du feu. Un jeune garçon qui était présent profiter dénoncer autorité yo dans cité indépendance qui d'après ça le fait connait pas fait effort pour permettre ville là gagner un bon service pompier. Grand ville là il va on machine pompier là n'a sauvé personne. On va passer on dit passer 2 ans. Ils ont 3 ans hein. 2 ans à 3 ans. Police s'est arrivé sur les lieux. Ils ne peuvent pas faire rien pour ça. La ville là pas besoin seul et machine pompier. Bon côté pâle, Réginal, Jean-Baptiste, un entrepreneur dans la ville là, pendant la nuit là, t'es porté ses coupales à plusieurs camions d'eau traitée qui t'ont gagné une pompe installée sous yo, ça qui te permet enfin, yo était indifférent, même si des gaillots t'es gagné en fait. Entrepreneur qui dit, c'est avec tristesse, il t'a gardé sa capacité à quoi lui-même tout,
gen nécessité pour ville là gagner un bon service pompier. Et l'occasion de ville qui charge mon ça qui est des milliers de monde là-dedans et pour un gros difficulté pour pas une présence en pompier dans la ville là qui pour aider et entreprise là permettre que barre pas bouler et si tu es au service pompier on croit que tu es garé tout bus tu es arrivé qui bouler ça c'est vrai mais tu es limité en pile des gars tu limité. Mais est-ce que c'est là que nous avons dit à notre pays pour nous voir comment la vivre? Ça veut montrer que nous-mêmes, c'est comme si nous nous savanouillons, j'ai envie de dire, côté que des bébés galeux que nous, nous savons là, tout le monde fait ça au blé. N'a fait remarquer, grâce à la diligence, il y a un chauffeur compagnon qui était présent, gagné un autobus qui est panier dans l'incident. Et selon information yo, parmi machines qui boule yo, te gen nan yo ki en panne, qui te campé depuis plusieurs mois. Dans le cadre du programme qui peut énoncer CNE la Kayou, Direction Générale Centre National Équipement te rendu dans marché Pétionville, mercredi 4 d'août 2021. Responsable marché a recevoir l'eau matériel tant qu'opel ak borette. Aide ça a doué faciliter bataille contre Fatra dans la commune non, d'après responsable qui bat bravo pour l'initiative là. Mairie Pétionville prend engagement pour continuer l'effort pour porter commune non et puis souhaiter CNE élargir programme ça dans l'autre zone en de pays. Un extrait avec Richardson Jordan. Responsable marché Pétionville là, aujourd'hui, à partir de jeudi, yo gagné des matériels légers, autrement dit bourrette, pelle, etc. pour que yo capable déchouquer Fatra dans marché et dans commune Pétionville. Programme CNE la Kailan, c'est un programme initié par la direction générale du CNE pour que nous marchions déchouquer Fatra en dedans toute zone métropolitaine. L'État à travers CNE debout, bon côté magistrat, debout, bon côté peuple haïtien pour combattre Fatra. Parce que ce n'est pas normal en 2021 pour moun à cohabiter avec Fatra, pour moun à vivre avec Fatra. C'est ça que fait nous prenons l'initiative ça pour nous déchouquer Fatra en dedans, pour que nous capables en quelque sorte comment y a un ensemble de maladies que Fatra capable d'occasionner. Travail CNE a fait, lui permettre de nous renforcer la capacité mairie, lui permettre de nous renforcer la capacité directeur marché, et lui permettre de nous réduire possibilité de maladie et que citoyens sont capables de rattraper la question Fatra. Nous toujours encourager les mairies pour faire assemblage là pour nous. Parce que nous-mêmes, petit Fatra qui est à terre, nous pas qu'à lever. Nous pas gain balai nous-mêmes, nous pas gain pelle. C'est ça qui fait un poté balai, un poté pelle, un poté bourrette. Bah, magistrat, bah, directeur marché. Pour que eux-mêmes soient capables de faire ce travail ça. Et le Fatra a vu une gros. Et puis CNE paraît lui-même comme nous avons un gros matériel. Ok? Nous enlever. Et suivi travail là. Le CNE fin passé, lui doit assurer par les responsables de la commune. Ministère Santé publique et population informée, il y a 19 nouveaux cas COVID-19 confirmés et 3 monoplis qui mourent en bas maladie dans la date 30 juillet 2021 dans le pays. Ça qui baille un total 20 326 cas confirmés, 3 420 personnes qui passent l'hôpital, 563 personnes qui mourent, à 14 800 démons qui traitaient. Le ministère de la Santé publique dit qu'il s'allie des pas compatriotes qui mourent pendant le souhaité force à courage avec famille, amis, défunts. De l'autre côté, le ministère de la Santé publique et la population continue à demander tout le monde respecter les principes d'hygiène. Tant que mettez cache-nez depuis au bras rencontrer l'autre monde, toujours laver les mains, toujours songer à tout le monde, droit à distance. Et si vous avez remarqué une lancine, ça y est, tous, fièvre, ou pas prendre son temps soit gouin, évitez de prendre contact avec l'autre monde et puis rester dans 2020 pour qu'on ait qui ça pour faire. Premier ministre Ariel Henry présidait en réunion mardi 3 août 2021
ensemble avec autorité santé animalio, dans l'idée pour prendre quelques mesures qui empêcher maladie peste porcine africaine non entrer dans le pays d'Haïti. Maladie ça qui déjà fait rage dans la République dominicaine, capable de gagner gros conséquences économiques s'il arrive dans le pays d'Haïti, d'après autorité santé animale pays. Premier ministre Ariel Henry dit, l'important pour mobiliser toutes les ressources qui nécessaires, non souci pour barrer route avec maladie c'est là. Gouvernement a intention de consulter experts dans affaires sécurité animale qui dans l'autre pays pour capable atteindre objectif li qui s'est empêché maladie peste porcine africaine non entrer dans le pays d'Haïti. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.